terre n'est pas ban la loi naturelle a porté dire à ban du monde qui reste le là. Le cas Rodrigue y appartenir à tout Rodriguez et par extension à génération future. Avec nécessité pour produire plus manger pour une population grandissante, la terre peut venir encore plus important. Point qui m'ont envie faire parce qu'ils m'ont pensé nous pas suffisamment réalisé, c'est pour Rodriguez. La terre c'est tout. Pas prenez aucun futur sans la terre. Alain Lévesque. Pour comprendre l'histoire Rodrigues Government Employees Association, RGEA, nous bisons comprendre l'histoire politique Rodrigues, surtout après l'indépendance Maurice. Une histoire qui façonnait par plusieurs décennies d'existence, qui tout processus colonisation fatalement amené. Mais Rodrigues, c'est aussi une histoire qui façonnait par l'attachement des peuples Rodriguez à sur la terre, sur la mer et sa détermination pour contrôler son propre destin. Il y a beaucoup une causé l'effet qui électeur Rodriguez une vote majoritairement contre l'indépendance en 1967, quand 97% vote en faveur PMSD qui représente la voix contre l'indépendance à l'époque-là. Mais ce qui fin caractérise sa vote-là, pas autant évoqué, et que c'est ça même qui a la base des discriminations structurelles qui ban fonctionnaire Rodriguez Sibir. D'ailleurs, Rodrigues reconnaît comment 21e circonscription République Maurice. Mais contrairement à tous les autres circonscriptions qui élit 3 députés, dont Rodrigues lit 2 députés uniquement. Contrairement à peuple mauricien qui obtenait 6 phrases universelles en 1952, les peuples Rodrigues votent pour première fois en 1967 pour une décision à laquelle ils pas fin participer. L'indépendance depuis l'Angleterre. Quand plusieurs dirigeants politiques mauriciens, comme Sirou Sagar Amgoulam, Razak Mohamed, Gaëtan Duval, etc., discutent avec dirigeants anglais de Lancaster House pour l'indépendance Maurice, aucun Rodriguez n'est pas présent pour représenter la voix Rodriguez. C'est ça même Gaëtan Duval qui, à la tête PMSD, à l'époque-là, fait une campagne communale et démagogique pour créer si cause Côte-Ban Rodriguez. Le 12 mars 1968, quand Maurice Pévin indépendant depuis l'Angleterre, Rodrigues peut annexer à Maurice de façon complètement unilatérale. C'est ce qui fin amène tension dans Rodrigues le 12 mars 1968. Il est bien important de comprendre le contexte élection 67. 7 août 67, un an avant, oui, il y a une caisse qui mettait la cour, qui Gaëtan Duval, mais surtout par la voix Clément Roussier, qui est un natif Rodriguez, qui contestait justement la validité de l'élection qui se fait en 59 avec en 65, si on ne pas tromper, pour dire que le fait que Rodrigues pas représenté, ça se là illégal. Depuis 1965, Gaëtan Duval, tu peux redonner des moyens, comment dire, pour justement contrer le gouvernement travailliste, qui est en même temps, ce que j'ajoute en anglais, et en même temps aussi, je disais, une façon comment capitaliser là. Et une façon qui est sur de faire ça, c'est une faille dans la loi qui définit qui était Maurice et sa circonscription. Donc Maurice, je disais, coupé en 40 circonscriptions. 40 circonscriptions là qui étaient Rodrigues Tibien là-dedans. Mais seulement, l'effet qui banna, quand j'ai une faire recensement en 1958, j'ai une faire, je n'ai pas une éclair Rodrigues là-dedans, ça l'inal contre la loi. Finalement, 4 points légaux qui banna mettait, qui me disait, mais là, il y a un point qui finalement, banane nous a concédé, et c'est vrai que la reine aussi intervenait pour dire, mais non, l'effet qui tout ce peut donner
pour dire que Majesté a des élections là pour illégal, donc l'Assemblée pour illégal, tout banane qui vient de faire pour illégal. Donc, banane fait la reine intervenir pour qu'il y ait un cadre administratif pour dire, ben voilà, tu comprends? Mais dans ce contexte-là, banane fait la loi qui fait lui rétroactif pour qu'il soit des parlements qui t'ont voté avant là, Livin Source. Mais comment les capitales pour Rodrigue Nkula? Gaëtan Duval, avec tout son équipe PMSD, avec Jules Kenick, tout ça là, ils ont vraiment démontré qu'ils ont capable de la guerre contre l'anglais, de la guerre contre le gouvernement Maurice et gagné. Ou pas quoi qu'ils ont dit qu'ils votent contre l'indépendance. Moi, je plie quoi, ils votent pour Gaëtan Duval. Après l'indépendance, alors que Maurice est dans l'Assemblée nationale pour prendre une décision politique et une municipalité et une district council, avec Banelli pour l'administration régionale, Rodrigue encore administré de façon coloniale depuis le bureau premier ministre jusqu'en l'an 1976. En 1976, coalition post-élection générale, Parti travailliste, Parti mauricien social-démocrate qui forme gouvernement, met en place un ministère pour Rodrigue avec Nicole François comme ministre. Mais 1976, c'est aussi première participation l'organisation du peuple rodriguais dans l'élection générale qui fait 34% pour sa élection-là. Sa partie-là, menée par Serge Clair, prône une certaine forme de colonisation surtout en rapport à politique prônée par PMSD à l'époque dans Rodrigue. C'est aussi dans sa même période-là, en 1979, qui premier syndicat rodriguais prend naissance, Rodrigue's Government Employees Association. En 1941, il y a un certain développement côté économique dans Rodrigue, que la guerre est déclenchée, que une commence pour Rodrigue pour rentrer dans le régiment. À ce moment-là, il y en a beaucoup, il y en a à peu près 100 à 216 du monde par là peut-être, qui finissent rentrer dans l'armée. Ce film commence à gagner la paye régulière tous les mois. Ça m'amène beaucoup de changements. Que Dimoun, peut-être à ce moment-là, il y a certains, première fois, il commence à mettre souliers. Dimoun commence à habiller correctement, parce que c'est un flow casque qui peut rentrer régulièrement. Dimoun commence à manger à sa faim, parce que le commerce commence à développer. Et puis ça, ça continue à bouger comme ça jusqu'en 1943, quand Rodrigue est autosuffisant en aliments. Mais en 1972, il y a un gros stress qui finit attaque Rodrigue, finit dans la punerie. Et puis ça, le fait qu'il est en punerie, et la production locale par une récit soutenir la population, que le gouvernement prend une décision pour employer maximum Man Rodrigue qui peut travailler comme laboureur, qui peut travailler dans la terre, dans le domaine et éleveur. Un recrutement social, hein? Social parce que ce stress-là, du monde peut commencer à gagner un problème manger, faire un autre travail, hélas, pas tu gagnes l'argent la première fois, tu gagnes maille, tu gagnes de l'huile. Après, doucement, l'argent est rentré. Et ça va dire qu'il est rentré. Là, ça fait des bandes casual à Paris, des relief workers. Et là, avec les temps, il y a des bandes casual workers. Il grossit jusqu'à un certain moment, quand l'époque AG, tu as au moins 4500 employés dans Rodrigue. Majoritairement, ça va être des casual workers. Tu as un des trois ouvriers aussi, des mécaniciens, un des trois charpentiers, un des trois maçons. Mais majoritairement, des laboureurs, des casual workers. Et un peu aussi, ben travailler à bureau, ben dans l'administration, ben professeur, la police, infirmière. Ordier, sur la lutte, pas facile. Parce que pendant tout ça, l'époque qui nous peut dire, 1968, quand nous tirons ben colonie, ben colon aller, l'île Maurice prend. Finalement, presque la majorité ben fonctionnaires qui tirent Rodrigue, c'était ben mauricien. Et tout le ben poste dans Rodrigue, c'était ben mauricien qui occupait ce poste-là. Alors, on dit, fin trouve les eaux par rapport à ben non, ben petit salarié qui ben a été employé par rapport avec la sécheresse. On dit, nous formons en 79. Moi, je travaille laboureur.
dans la fonction publique. Et Ben Gontran, et Jacques Castel, et Sadella, ZDM qui commence à donner l'idée pour faire ça syndicat-là. Je dis, mais nous pas pour capable, nous Rodrigue, nous né Rodrigue, pour nous syndicat Maurice. Et parfois, quand Maurice est Rodrigue, et il est un peu isolé, nous dans même République, mais nous besoin prendre bateau, soit avion pour aller, soit téléphone. Et parfois, nous avons un bon problème. Il y a un problème, une discussion, et l'étardé, en bel et là, il y a une réunion, un groupe, un délégué. Et moi, je forme partie, nous avons plusieurs délégués. Et c'est qu'on prend sur région. Mais moi, je prends région 6 ici. Et je prends depuis Mont Liban, je prends Rivière Banane, Gravier, Porcides, Rosebondier, Pointe-Coton, Montagne-Cabri, etc. Je fais alentour, marcher à pied même. Oui, nous organisons ce syndicat-là. Et moi, je passe, je fais collection, je enregistre les membres. Nous nous redriguons et nous disons, lit pour nous cause. Parce que, un dit monde dans Maurice, comment nous allons dire? Il n'y a pas qu'un nos problèmes qui nous peut passer. Mais, tout le monde travaille au gouvernement, dans le DSI. Mais après, c'est un état, nous trouvons qu'on dit qu'il n'a ben, pas bien répondu. Il n'a pas bien attendu, il n'a pas bien travaillé. Que nous nous sentons, parce que dans l'époque-là, nous avons existé à l'Assemblée générale une fois par l'année, mais toute contribution par le Maurice. Mais alors, on a dit, bon, dit non, mais. C'est plus meilleur qui nous fait comme un syndicat pour Rodrigue. Voilà l'idée avant de dire que c'est Ben, Banza Castelin, décidé de dire bon, on nous fait un syndicat là pour Rodrigue. Et quand nous tiennons, ça, nous commençons un syndicat, pas en place, pas en place pour faire, nous pas en place pour faire réunion. Nous faisons réunion en bas pied, nous faisons réunion à l'école, nous faisons réunion dans l'école Belascar. Et parfois nous demandons mon père, l'école, oui. Et quand il y a une difficulté, nous allons dans un village, nous faisons nos réunions, mais nous faisons nos travail marassés. Et finalement, nous avons acheté un bâtiment dans Pau-Mathurin. Nous avons acheté ce bâtiment-là pour permettre nous de faire nos réunions dans une place que nous n'avons pas gagné la pli. Mais c'est bon, bon, comment dire, vous préciser. Syndicat, il est fondé en 1979. Mais son enregistrement est en 1985. Parce que je me rappelle bien, tu as un colloque. C'est un petit peu après que je suis en Providence. Tu as un colloque de l'Université Maurice. Continue à vivre. Tout le monde syndical dans le sud indien et dans l'Afrique. Tout. Mais tu as deux représentants de Providence qui finalaient, en l'occurrence, M. Christel Spéville, avec Nicodème. Terrible. Maintenant, nous l'avons entendu pour une fin, mais on a eu là-bas, on dit, bon, mais qui fait hein? On amène un syndicat Rodrigue. Mais maintenant, on profite de l'occasion, à l'époque, on dit, right, tu as un syndicat Rodrigue, mais il n'est pas encore enregistré. Il n'est pas enregistré parce qu'il y a une bonne objection. Et ça, à l'époque-là, c'est CRCA qui finit l'objecter. Ben, l'animateur qui était là, à l'époque, pour sa colloque là, on dit non, mais qui fait un final d'objection? Mais quand on discute, on tombe d'accord, on dit non, pas pour une objection. Nous réallions, nous rejoignons ensemble. Mais là, nous avons eu l'occasion pour enregistrer le syndicat là. Et là, le syndicat a enregistré 87 lettres. Situation fonction publique de Rodrigue, in tout le temps amène ben sérieux problème discrimination avec création un ministère pour Rodrigue. Concept Rodrigueisation fonction publique Rodrigue in amène objectivement des catégories fonctionnaires dans un Maurice indépendant. Même si ça concept tient important pour adresser un problème structurel de fonction publique à un moment. C'est ce qui d'ailleurs amène OJIE en 1993 à travers
Francisco Robertson, Merlin Gontran et Calette Olbiz pour mettre en case l'eau sa base discrimination structurelle là contre l'État mauricien. En termes de salaire, Rodriguez Tibéguin, un fonctionnaire Rodriguez Tibéguin, un cost of living allowance pour compenser la viscère de 5%. Tandis que un fonctionnaire Soti Maurice, qui vient de poster ici, vous gagnez 25%. Disturbance allowance. Alors, j'ai fini de dire comme ça, que ça. Si Pécose, Rodriguez est un Mauricien à part entière, si Pécose, Rodrigue, dans l'État mauricien, faire partie intégrante de l'État mauricien, Bizin élimine sa bande terme séparatiste, hein, et Bizin élimine la discrimination entre fonctionnaires qui travaillent à Maurice et fonctionnaires qui travaillent ici. Première affaire nous proposer, c'est qu'il élimine sa terme Rodrigue Nkolala avec sa terme disturbance allowance. Hein, parce qu'un Mauricien sur ce territoire n'est pas supposé disturb. Nous comptons que vous avez une conversation quand vous êtes venu ici. Mais c'est mon terme là pas bon. Nous faisons Livin Ensel, côté Agaléen Gainli, Rodrigue Gainli, Mauricien Gainli, nous appelons Outer Island Cost of Living Allowance. Les plus un terme qui montrait que Maurice qu'on gère sur insularité. Et puis, une autre grande disparité et discrimination qui tient, c'est qui un fonctionnaire Rodrigue, dans le contexte, un soi-disant concept de Rodriguanisation, lui, quand il rentrait même, ce service lui limité géographiquement à Rodrigue. C'est-à-dire qu'il n'a pas gagné droit à le travail Maurice. Depuis sous le jelly, comme ça, il n'a pas gagné droit de demander pour le travail Maurice. Il y a un Maurice, il y a un certain droit pour qu'il y ait une certaine mobilité, pour qu'il nous travaille contre nous comptons dans nos pays, l'eau n'est pas qui place dans nos territoires. Mais il est absolument contraire à section 16 de la Constitution qui dit qu'il ne faut pas une discrimination. Leur base géographique, sexe, couleur, religion, etc. RGIE, à travers ce travail fourmille au terrain, RGIE, à travers conscientisation, droit de l'homme, liberté d'expression, il fait manifestation en 92, dire comme ça là, arrêtez avec le terme séparatiste, arrêtez avec discrimination. Il a le devant PRB, il a la fonction publique, il a dans la presse. Malheureusement, rapport PRB sorti, gouvernement mauricien, l'État mauricien, pas accepter la main qui nous tend devant lui pour reconnaître nous comme bande mauricien à part entière et non pas bande mauricien entièrement à part. Mais quand nous prenons une réponse qui est bizarre, nous ne décidons pas la Cour suprême pour admettre une caisse. Ça veut dire que ça, une caisse constitutionnelle. Quand nous conscients, nous conscients Maurice, pas permettre qu'il fasse la discrimination en ben citoyen basé sur notre personne d'origine. Ça veut dire nous, ça veut dire que nous Rodrigue, que l'État mauricien peut traiter d'une façon discriminatoire. Nous ne perdons que ça parce que la Cour suprême a trouvé que gagne droit d'un traitement différent. Et traitement différent, pas dire les discriminateurs. Ça veut dire que c'est un Rodrigue, il y a d'autres traitements de la même façon. C'est un Dimon qui est dans l'île Maurice, il y a d'autres traitements de la même façon. Quand on est sur les îles Maurice, on a trouvé que nous ne sommes pas Mauriciens. Ça veut dire que l'État Mauricien n'a pas reconnu nous en tant qu'un Mauricien à part entière. Mais donc, je dis que nous sommes Mauriciens, mais au fait, nous entièrement à part. Nous n'avons pas le même traitement, la même condition de travail qui va fonctionner à Mauricien. À partir de ça, nous réorientons la lutte et nous plus amenons la lutte pour combattre sa politique qui est pour nous les d'un pouvoir colonial. Quand on est dans ce moment-là, on peut trouver que le prédateur est une colonie. Tu n'as pas qu'à espérer le même traitement que les fonctionnaires, les Mauriciens qui l'ont mené, qui vivent et résident dans l'île Maurice. Ça veut dire que le fait que nous résident dans Rodrigue, nous sommes là, ça qui amène que nous gagnons cette discrimination-là et qui est une politique, une mentalité coloniale depuis l'État mauricien vis-à-vis, il n'est pas dit fonctionnaire, mais vis-à-vis des gens qui viennent dans Rodrigue, parce
nous trouver dans différentes formes, dans différentes façons. Nous faisons travail avec beaucoup de soin pour que l'île Rodrigue gagne son autonomie maximale qui nous fait promettre à la population rodriguaise. Les 12 octobre 2002 amènent un changement de l'administration Rodrigue. L'accession à l'autonomie. En l'Assemblée régionale, composée de 12 élus à travers système First Past the Post, et depuis 6 régions et 5 depuis la liste proportionnelle. Mais en vrai, décision politique pas prend dans Rodrigue. L'Itouzou prend dans Maurice et Régional Assembly et dans un pouvoir bien limité quant à prise des décisions politiques. Moté n'est pas une chance. Zis. Capot, carrosserie, une sens couleur, une élargie, une suppression de la vie moderne, c'est pareil. Et ça qui fait que l'autonomie, après 18 ans, une fille, mauvaise qualité fille. RGIE, avec les autres syndicats, jeune avec management, Rodrigue Regional Assembly, fait une common submission to PRB. Qui PRB encore une fois reseté, mais qui après avec Anomalie, Dave Manraj, lui proposait qui accepter cette proposition, joint submissions qui RGE avec management RRE fin soumettre. Sa fois que la voie est faux, l'État mauricien fait une affaire pour calmer les affaires. Par exemple, demander pourquoi tout le monde peut revendiquer d'autres identités. Nous trouvons l'État mauricien, les venus, le gouvernement Ramgouama à l'époque, les venus avec un affaire qui s'appelle un local council. Dès qu'il calme ça, il redonne un petit plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Mais à la fin, nous trouvons qu'il y a une grande décision, tout le monde a fait un décision mauricien malgré ça. Quand même, quand il y a l'autonomie, nous trouvons qu'il y a tout le monde une grande décision qui concerne la vie de Manuel Rodriguez. Il y a encore un point par le management qui décide pour lui. Tant que Rodrigue n'est pas grave, encore si il y a une possibilité pour décider par les autres mêmes, pour les autres mêmes, ça a l'état pour continuer. Parce qu'à la fin, ce qui nous besoin, nous, c'est que reconnaître-nous en tant qu'un peuple et donne-nous une possibilité quand nous allons décider de nous l'avenir, alors nous décider nous-mêmes. Nous aujourd'hui, c'est nous allons dire l'étranger parce que Mauricien qui peut décider l'avenir de nos enfants Rodrigue au tout plan. Mais il n'y a pas une affaire normale. Nous, on a envie que Jimmy soit capable de décider pour lui-même, par lui-même. Aujourd'hui, RGIE peut défendre l'idée qu'un syndicat n'est pas capable de prétendre travailler pour l'intérêt de ses membres sans qu'il y intéresse lui à son bien-être. C'est pour ça qu'RGIE n'est pas capable de considérer comment un syndicat classique. À part qu'il y intéresse lui à bien-être sous ban membre, RGIE est très présent dans la vie de Rodrigue et travaille beaucoup sur les difficultés qu'il peut Rodrigue faire face. En tant qu'un syndicat Lagos, RGIE est ancré sous ban combat dans une conscience des classes et qui milite pour l'ensemble classe travailleuse. RGIE a contribué de création plusieurs syndicats secteurs privés, comme par exemple l'hôtel Cotton Bay, l'EPO STC et Airport of Rodrigues. C'est pour ça que depuis le 1er mai 2012, avec construction de ce nouveau bâtiment dans Montlubin, Independence House, RGIE offre une série de services et organise une série d'activités qui sont capables de paraître non conventionnelles à un syndicat. Comme le premier Music Award qui est co-organisé avec les autres organisations et qui se tient dans Independence House, Montlubin. Au fur et à mesure de l'année qui passait, je trouvais que RGIE militait pour la société Rodriguez, pour nous améliorer nos situations à Rodrigue.
qui est au niveau de l'eau, qui est au niveau de la santé. Nous avons ça à cœur. Récemment, là, nous avons fait une édition Music Award que nous mettons au devant de la scène par l'artiste Rodriguez. Aujourd'hui, il n'est administré un syndicat. Il est un peu plus en profondeur parce que tout le temps, nous pensons que nous avons la guerre quand nous comptons pour l'augmentation pour travailler. Mais si ce bien-être n'est pas bien dans la société, il n'est pas pour réussir à faire une société que nous pouvons vivre bien. Mais nous essayons de militer pour sa société-là, pour sa Rodrigo de faire bon vivre-là. Et c'est ça qui différencie aujourd'hui. Nous travaillons, nous pas arrêter de faire ce travail, il pour trop rédicter. Et quand nous causons la société, nous trouvons aujourd'hui tout le temps. L'essai crée dans l'espace et discussion quand nous réfléchissons et comment une société est supposée dérouler, comment la richesse est supposée distribuer dans une société. Parce que si un dimoun ni cave, il y a une bonne atmosphère de travail, mais c'est quand il rentre dans la société, il peut trouver l'exode massif, il peut trouver le problème de l'eau, il peut trouver le problème de la santé, mais il devient l'envers de nous. Papier avant ça, non, il y a quoi dire. Nous avons, pour par exemple, la campagne qu'il fait contre privatisation. Nous trouvons le gouvernement actuel qui vient avec un plan pour privatiser certains secteurs. Suite à une grande campagne anti-privatisation qui a dit qu'il fait le réseau sociaux, ils ont une back pédale, ils ont un pénal de sa sens. Il y a plusieurs occasions que nous trouvons à dire une proposition au côté trésor. Nous trouvons qu'il y a dire une montrée qui Rodriguez, il est bizarre, un pouvoir décisionnel qui fait contre lui, le bon ressource qui se donne sur la terre. Nous, dans nos rôles, bon, c'est le syndicat qui est dans le Rodrigue, nous sommes clairs et net qui nous militent pour que Rodrigue puisse faire bon vivre dans nos rôles et nous essayons d'aller vers la direction. Là. En 2019, Ardiye fête son 40 ans d'existence. Une occasion pour guette par derrière travail qui premier syndicat infère et progrès qu'il y fin amené pour l'avancement, l'émancipation peut Rodriguez. C'est aussi une occasion pour cette base pour une nouvelle perspective pour Dimé. De plus en plus, ben du monde peut rejoindre nous, ben jeunes, même ben qui dans fonction publique longtemps, qui trouve l'importance d'un syndicat, mais on trouve aussi support ben du monde qui quitte, ben retraité, qui toujours un petit mot d'encouragement pour nous, qui gêne nous, mais pas baisse les bras, et nous penser qu'il est bien positif pour l'avenir. Nous avons la capacité pour aller encore plus loin qui nous arrive, qui a 40 ans là. Moi, je vous souhaite un peu plus de solidarité, un peu plus d'unité parmi les travailleurs, que nous puissions amener le combat un peu plus loin et aussi dans qui a dit qu'il s'est un peu aussi, il s'est battu, il est un peu plus loin, encore plus loin, il est plus loin, mais encore plus loin. Je trouve qu'il est déjà pleinement conscient et averti des bananes qui peuvent la planète. Et je pense que Rodrigue nous peut appeler à ce que voilà, la richesse soit distribuée d'une façon plus équitable, que moins l'exclusion, que tout le monde trouve sur place. On dit tout le temps qu'il y a dans la direction. Que nous avons besoin de Rodrigalisation, oui, mais Rodrigue a besoin. À peine vous décidez nos sociaux. Voilà, et puis. Nous sommes dans le projet cafétéria, le projet l'école qui nous commence à développer. Nous ne pouvons pas finir à aboutir, mais nous pensons avec les temps, nous pourrons ici améliorer. Mais mon souhait pour Adjiye, c'est qu'il nous recrute encore les autres membres, les autres têtes pensantes, pourquoi pas, qui sont capables de nous faire bon projet, bon. Vision qui nous capable d'améliorer nos syndicats encore plus parce que là, que nous étions, nous recrutons dans plusieurs secteurs par adaptatif aussi. Mais
peut-être à la longue, nous sommes capables de développer dans un autre sens aussi. Nous ne connaissons pas qui l'avenir qu'à réserver, mais en tout cas, nous souhaitons le meilleur pour Odjiye. À la fin, il peine l'année 10 travailleurs au degré. C'est-à-dire, il est capable, nous peut trouver, disons, 15, nous et en collaboration, mais de donner une vision pour amener la lutte au niveau régional. Et nous, dans le bando, nous avons une perspective internationale. Les pas de sans affaires rodées, mais nous aussi soutenir la lutte de bons camarades qui permettent même qu'on va. Parce que pour un cas travailler dans Rodé, dans Maurice, ça y est, les mêmes problèmes. Même qui nous peut la guerre contre l'État mauricien, nous ne sommes pas d'accord sur le comportement, mais nous avons une relation assez correcte avec les peuples mauriciens. C'est-à-dire que les gens dans Maurice qui peuvent lutter, travailler, tout le monde qui peut lutter, de comprendre la lutte. Mais l'État, les gens qui dans. Dans le body politique, là, nous devons de pas accepter sa façon de nous guetter société, sa façon de nous guetter quelque chose. Mais nous avons une bonne relation avec beaucoup d'organisations nombreuses qui nous comprennent parce que nous tous, à la fin, nous avons envie d'un monde qui fait un bon vivre. Et bien ça. Odjiye n'a pas fini Leslie cantonner dans une revendication, conditions de travail, avec bout par dessus. Odjiye fin Leslie porter justement et avec raison l'eau qualité manière améliore qualité la vie tout ban Rodrigue pas juste fonctionnaire gouvernement pas juste travailleur mais tout Rodrigue qui naissance qui grandit l'eau sur la terre. Donc pour nous personnes noires c'est que vous trouvez aussi nous car nous fiers aussi pour Odjiye été. Parce qu'ils ont un bâtiment qui est un symbole. Il y a un symbole, c'est la force travailler là. Il y a un symbole. Il fait un symbole, il trouvait quand nous mettons ensemble, quand on travaillait, mettre sur la force ensemble, nous faisons beaucoup de choses. Avec un petit moyen qui est là, si vous mettez l'esprit ensemble, vous pouvez concerter beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à attirer. Et aujourd'hui, vous avez dit, aujourd'hui, il attire beaucoup de choses aujourd'hui. Odjiye, je vous dis, il soulage beaucoup de travailleurs, même là. Je suis retraité, j'ai 74 ans là moi. Les 40 ans l'anniversaire syndicat, m'invité, ben affaire moi causer, je connais moi content causer. Enfin, tout affaire pas gagné au plateau. Et moi je souhaite à Odjiye bonne chance, bonne route, bonne continuation. Odjiye bien continuer pas bac sur la lutte pour la liberté totale, Rodrigue, que permettre Rodrigue de prendre une décision pour à ce moment-là, permettre ce bandit monde récit, prendre une décision pour résoudre ce problème. Parce qu'il me pensait que si on a un problème dans nous, la case, ce n'est pas étranger qui pourrait nous résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de nos problèmes, de nos solutions et faire les dans nos manières pour qu'ils vivent à long terme. Vision Odjiye, c'est ça. C'est comment dire, occupe du monde dans tout ce chose. Il n'est pas logique. Qui est dit moun même il y a un travail mais sous enfant dans ma travail ou bien il n'a pas la case ou bien il n'a pas de l'eau et plein c'est occupe dit moun non tu bien mais tu pas capable occupe dit moun tu besoin occupe place côté rester là tu besoin occupe sur donc finalement Micholan vient quoi il vient be l'écosystème en entier Rodrigue en entier là finalement be pour nous même nous ça donc nous défendre en entier et moi tout ce qui me souhaite moi c'est que Odjiye capable continuer, interpelle Rodrigue et l'autre, tous affaires. Mais bon, on espère que dans 40 ans à suivre, nous trouvons ben Dimoun, les autres zènes qui rentrent et comprennent le combat qu'Odjiye va mener.